Quartier en fête et printemps des cultures, c'était à Kellermann samedi 2 juin, organisé par Café, en collaboration avec de nombreuses associations locales. La fête a réuni beaucoup d'habitants dans la cour de l'espace Gérard Philippe. Au programme, eh bien, il y avait des danses, des animations, un couscous en soirée et même du thé à la menthe à déguster à l'abri du soleil. Ben ça, c'est une tente berbère à l'ancienne, avec les poufs, les coussins, le plateau de thé, la théière, comme nos anciens. On a voulu reconstituer cet endroit convivial. Autre découverte de cette fête, le henné, une méthode douce et naturelle pour se tatouer toutes sortes de signes mystérieux sur la peau. Un tatouage en tout cas éphémère qui disparaît avec le temps. Alors le henné, c'est une plante qu'on va chercher dans les pays orientaux, qu'on moue, après on va le mélanger ensuite avec un petit peu d'eau. On va les mettre dans une seringue et puis on va faire des dessins avec, voilà. C'est dur combien de temps ça reste après, c'est lavable? En fin de compte, ça reste suite à la chaleur de votre main ou de votre corps. Si votre corps est chaud, votre main est chaude, ça va rester plus longtemps qu'une main froide. Donc moi, par exemple, ça reste au moins une semaine. Regarde, regarde.